On ne va pas me reprocher ma façon de m'habiller. Des nouvelles d'Anaya? Elle a dit qu'elle te retrouverait à la statue, sur la place du marché. Au moins, on va être au calme. Et salut tout le monde, c'est Drakkane. On se retrouve donc pour ce deuxième épisode de notre aventure sur Tomb Raider Legend. J'espère que le premier épisode vous aura plu, que les choses se seront bien passées lors de l'upload de la vidéo, que j'aurai réussi à corriger les quelques bugs qu'il y aura eu. Mais en tout cas, nous, on y va pour ce deuxième niveau au Pérou. Donc, nouveau tuto. Donc voilà, comme je vous avais expliqué dans le dernier épisode, le réticule indique si la cible est hors de portée ou pas. Voilà. On peut donc tirer sur les ennemis plus facilement lorsque forcément on est dans le rouge. Mais, nous avons d'autres choses à faire. Quand on est près d'un ennemi, on peut lui mettre un coup de pied. Quand on tire, on peut se servir du grappin pour agripper les ennemis et les tirer vers nous. Et si on fonce vers un ennemi... Non, c'est avec F, je crois que c'est B alors. Si on fonce, on peut tacler les ennemis, histoire de les faire trébucher. Mais on peut aussi sauter dessus. Alors, attention. Et on déclenche le mode bullet time. Voilà. Qui pourrait nous être très utile dans certains combats. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, nous avons vu quasiment l'intégralité des capacités de Lara dans ce jeu. Bon. J'ai eu un moment d'absence. Mais m'excusez, pardon, mon cerveau a déconnecté. Et il est parti loin. Très loin. Je voulais vous dire... Donc j'espère que le premier épisode vous aura plu. Et pour ceux qui ont reconnu, oui en effet, le moteur est le même qui a servi à faire le jeu Tomb Raider Anniversary, qui était un remake du premier jeu. Et en effet, le premier jeu fera partie de la trilogie de ce Tomb Raider. Pour ceux qui connaissent déjà le sujet du premier Tomb Raider, ne disons rien pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui se passe dans celui-là. Et rejoignons son ami Anaya qui est juste ici sur la grande place. Salut Lara. Tu réalises qu'il y avait foule ici il n'y a pas 5 minutes? Et moi qui voulais rester discrète? J'espère que c'est de moi qu'elles ont peur et pas d'autre chose. Il n'y a rien ici. Que des poteries cassées, mêlées aux cadavres de vieux amis. Si j'avais su que ça te mènerait là, jamais je ne t'aurais parlé de la Bolivie. Et pourtant tu es là. La Paz n'est pas si loin. Le passé non plus. Ah bah forcément. Fallait que ça dégénère dès le début. Je l'ai repéré. Zip, appelle Anaya sur son portable. Aucun problème. Hop là. Oh. Ça peut se faire sniper pour le coup. Mais ils vont pas me lâcher le coup. Oula, mon dos. Ah, ça c'était le doux bruit d'une grenade. Ça fait un peu mal. C'est très succinct comme façon d'ouvrir une porte quand même. Alors. Oui bah j'en profite pour fouiller parce que vous voyez, il y a des petites choses à récupérer. Même pendant les lieux de baston. Eh oui, je l'ai pas fait dans le premier épisode, dans le premier niveau, mais oui, on peut ramasser les armes des ennemis. De toute façon, je crois qu'on peut avoir que deux types d'armes. Facilite un peu simplement ce qu'il faut faire. Bon. Ah, je vous avais dit que c'était pas la même portée. Ça a son côté pratique. Bon. Allez,
Allons voir ce qui se passe là-haut, s'il était tout seul ou s'il y en a d'autres. Ah ah ! Mon coup de pied a ouvert cette porte de façon incongrue. Et même quand elle est dans le sens inverse, c'est beau. Couché, toi. Aïa ! Aïa ! Aïa ! Aïa ! Alors, j'aimerais bien réussir à... Voilà. On récupère les grenades, le flingue et tout ce qui va bien. Je préfère le fusil d'assaut que le pépon. Par contre... Je suis sûr qu'elle doit s'ouvrir, cette armoire. On va tester un coup avec le pépon. Non. Bon bah tant pis. Alors si jamais on a raté une relique, il y a de fortes chances qu'elle soit là-dedans parce que je suis persuadé qu'elle devait s'ouvrir. Oui, bien sûr. Alors. C'est un mur invisible, d'accord. Débordez là. Est-ce que vous savez de qui vous parlez? Non, non, parce que là, sérieusement. Je répète, est-ce que vous savez de qui vous parlez? Sur les côtés. Voilà. Non, mais ils pensent pouvoir y arriver. On peut leur laisser croire. Moi, je vois pas de mal à essayer dans la vie. Hein. Faut essayer les choses. Faut juste accepter quand ça marchera pas. Ah! Une petite relique. Rien du que pouille, que de chouette. Donc c'est bon. Olé. Ok, pourquoi pas après tout. Ça me simplifie la tâche si tu meurs en arrivant. Dans les caisses. Il semblerait que non. Y a rien. Pareil ici. Bon. Rattrapons Anaya avant qu'il se passe quoi que ce soit. Dis-lui que j'arrive. Ok. Wouhou! Oh punaise! Oula! Où c'est sensible? Alors, je vous dis pas à quel point la touche. La truc est sensible. Wouhou! Hyper super c'est Sonic. Hyper super c'est Sonic.
Wouhou! Vite! Rattrapons-la! Ah mon dieu! Heureusement qu'il y a une rampe! Pilement placée au bon endroit! Oh, un feu d'artifice au Pérou! C'est génial! Ah bah je suis pas tout seul. Par contre, c'est quoi cette façon de se tenir, monsieur? Ah là là! Est-ce que quelqu'un peut me rappeler pourquoi j'ai pas pensé à appuyer sur la touche de soin? Ah! Voilà! D'artifice au Pérou, c'est génial! Mais je sais, zip et chiant. Voilà le premier. Allez, dégage! Excusez-moi, je ne fais que passer, tout va bien. Faites comme si vous ne m'aviez jamais vu. Je vais juste m'occuper de vous tuer. Allez. C'est bon, quelqu'un veut encore jouer? Mon soin! Oh mais dites donc, on me vole mes soins! To the sky! Voilà! Full soin, full heal! Ah zut, la caisse m'a détourné de ma route! Voilà! Le décor est ton ami dans ce jeu! Point. Un peu trop tôt quand même. Oh le joli combo. Ouais, c'est génial. Merci. Allez. Ne perdons pas un instant. Un checkpoint. C'était parfait. Le checkpoint. Ah, c'est des camions. Au moins ça veut dire qu'on se rapproche du but. Ok. Ah, je vous jure. Bah, je suis bloqué. Bon, en se garant là, ça devrait aller. Thank you.
Ça n'a guère changé. Seulement quelques années de plus. C'est rien pour ces ruines millénaires. Il faut que je te dise quelque chose. Je crois qu'Amanda n'est pas morte là-dessous. Encore cette vieille histoire? Pourquoi? Tu ne comprends donc pas? Je dois fouiller le passé, trouver des réponses. Je suis ingénieur, Lara. Je construis le futur. Je ne vis pas dans le passé. Détrompe-toi. Le passé rattrape tout le monde. Retour à la passé avec la vieille tenue. Lara, descends donc, flemmarde. Jason dit qu'on y est presque cette fois. Une minute, Amanda. On vérifie que c'est assez solide. Mais tu vas venir, oui. Les vieilles couleurs façon PS1. Eh bah, c'était pas si solide que ça, du coup. Il n'y a plus de lumière. J'espère que tu as des torches. Allez. Voilà. Et des flèches. Les planches au-dessus de la crevasse sont brisées. Il va falloir te balancer de l'autre côté. Je sais pas où tu es, mais je t'entends super bien, je trouve. T'es à la traîne. Et toi, une touriste pressée. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Amanda! Amanda! Tu m'entends? Amanda! Pour moi, les choses ont l'air d'avoir un peu mal tourné. Oh non. Oh, Sarah! Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben si, mon amie est morte. Ah ouais. Bon. Il semblerait que ce piège était encore légèrement actif. Une chance pour moi qu'il l'était pas assez pour me tuer. Ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils sont partis en courant et pourquoi est-ce que mon amie est morte? D'accord, ça valait le coup de pas s'attraper, je suis sûr. Sûr que ça valait le coup, que ça, attraper ça aurait été trop. Ça aurait été trop demandé. Non, mais pas ce côté. Je vous jure, je commence à en avoir marre de Lara. On est déjà qu'à l'épisode. Et on est qu'à l'épisode 2, hein. Ok. On va repousser la caisse parce que je pense que ça joue. Oui, ce jeu demande de la précision. Et c'est au pixel près. Et si vous n'êtes pas au bon endroit, elle ne fera pas la bonne action et puis c'est tout. Et la caméra n'aide pas trop. Bon, on a là. Oh, non! Lara! Par ici! Kent? Bon. On a deux amis en vie et deux morts. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oscar est mort. Qu'est-ce qui... Je sais pas, j'ai rien vu. Cette porte ne peut pas bouger, sors-moi de là! Calme-toi, est-ce que... Il y a un trou au-dessus de moi, il faut me sortir de là! Vite! Il faut qu'on parte d'ici! Eh oui, alors. Ou toutou. Évitons de se faire embrocher, je pense que ce n'est pas trop le moment. Allez. Vite, Lara, la chose va revenir. Pas de panique, j'arrive. Elle arrive. Quelle chose. Voilà,
J'y suis presque. De quoi il me parle? De quelle chose il me parle, ce mec? Je crois que je vois de la lumière. Ne bouge pas, Kent. Je descends. Amanda? Amanda! Kent! C'est elle! Attends! Kent! Je tiens à vous dire que la chose qui est derrière nous à l'heure actuelle m'a fait faire des cauchemars quand j'étais gosse. Et bah allez. Et oui, on fuit le monstre en jouant Lara du point de vue du monstre. Ah! Ah! Messieurs, dames? Ellipse! Heureux! Alors, comment vous dire? J'ai réussi à faire débloquer la cinématique. Et ça m'a encore plus bloqué Lara. Donc, on y retourne. On repart et ça ira peut-être mieux après. Voilà, cette fois, on est bon. La caméra ne s'est pas plantée quelque part. Et Lara n'est pas bloquée dans une caisse anti-pause. Je pense qu'on peut officiellement dire que ça devrait être bon. Je sais pas ce que c'est. C'est gros, rouge et noir et ça fait de la fumée. C'est une entité maléfique, j'en suis certain par contre. Allez, balance-toi. C'est pas parce que nous sommes en danger de mort que nous ne pouvons pas récupérer de reliques. Ah ! Fuyez, pauvre fou ! Amanda ! Je crois que cette pierre ouvre la porte ! Je n'aime pas ça. Tu es vraiment sûre de ton coup ? Cette chose approche. T'as une meilleure idée? Et si la porte est piégée? On est piégé! Oh non! Au secours! Cette bête est immonde! Ok, ça a bien détruit la bestiole. Ouf! Amanda, cours! Le problème, c'est que ça va aussi nous tuer. Oula. Si tu veux mon avis, c'est bon. Je trouve que c'est une très mauvaise idée. On était tous d'accord pour ne plus y toucher. Et je tâcherai de m'y tenir. Mais si j'en crois Rutland, il y a là en bas un indice sur ce qui a tué ma mère. Je dois y aller.
Inutile d'espérer passer par le même endroit. C'est bloqué. La rivière a trouvé un chemin, elle. Je te laisse résoudre ce mystère. Moi, je n'y vais pas. Désolée. C'est bon, vraiment. En cas de problème, appelle Zip et il fera suivre. Ne prends aucun risque. Je ne veux plus perdre mes amis. Alors, comment tu vas entrer ? Je vais suivre le même chemin que l'eau. Si jamais Anaya t'appelle, passe-la-moi tout de suite, d'accord ? Je suis inquiète depuis que je l'ai laissée toute seule. J'y tiendrai compagnie. Et c'est donc après ce voyage dans le temps que nous allons nous laisser. Voilà, la prochaine fois, on ira fouiller les ruines submergées, puisque du coup, on a bien compris que tout était sous l'eau, et voir ce qu'il reste de nos amis, et notamment essayer de comprendre pourquoi est-ce que Rotland nous a dit, qu'il nous a parlé d'Amanda, sachant qu'Amanda a, comment dire, s'est bloqué le pied sous un rocher, s'est noyé, et s'est fait écraser par des rochers. Je pense que, oui, on a peu de chances de survivre dans ce genre de cas. Bref, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. C'était Drakkane. Salut tout le monde!